Allez, bienvenue tout le monde. Allez, c'est parti pour un nouveau live sur Farming. Alors, qu'est-ce qu'il y a changé? Attendez, on va partir sur du multiferme, les amis. J'ai pas juste réglé. Hop. Petite nouveauté aussi, vous avez un lien dans le stream qui va apparaître normalement. Je vois ce qu'il devrait être. Long. Permet en fait, vous cliquez dessus, vous allez avoir une fenêtre navigateur internet qui va s'ouvrir avec dedans trois chaînes, la mienne, celle de Chris, celle de Fred, et en fait quand on va streamer en même temps, vous aurez trois chaînes, donc les trois vues différentes, tout simplement quand on est sur Farming, voilà, voir les trois streams en même temps. Et à droite en bas, vous avez un petit onglet avec où vous pouvez directement chatter en fait dans chaque chat simplement. Et après de naviguer dedans tranquillement. Bon, je vais attendre que les copains arrivent. Pas tarder. Ils veulent faire, vous le savez. Organiser la ferme. Moi, je vais faire le manœuvre. Je visite hein, parce que balle. J'ai pas vu les textures des ballons. C'est sympa. Ouais, ça. Garage là, ok. Pas mal tout ça. Où Médor? J'avais vu tout à l'heure. Je sais pas comment on appelle le tri. Où Médor? Ça va Chris? Ça va? J'ai perdu le chien. Je sais pas où c'est qu'il est dans le jeu. Oh, pas le mien. J'ai la niche, j'ai la gamelle, j'ai la balle, mais... plus le chien. Il me semblait qu'on pouvait le siffler le bordel, mais je sais plus comment on fait. Il me semble qu'on pouvait le... coûte à rien. Hein. La coupe. Peut-être avant. Con. Je l'ai vu tout à l'heure, je me suis connecté tout à l'heure, je l'ai vu. Oh bah yeah. Il reviendra quand il aura faim. Pas les choses à moitié les gars, vous êtes bien équipés. Oh ça va, c'est pas du... J'ai jamais vu les bottes rondes. Ouais, ils sont chouettes. J'ai jamais vu, j'en ai jamais fait. Tiens, ils sont chouettes.
Chien là, c'est. Ouais, je l'ai. Arrive. Ah putain. Et oh, après je sais plus. Non, mais... Après c'est peut-être avec majuscule ou sans majuscule, je sais plus. C'est pas que je sais. Ah, elles sont faciles. Et par contre, je sais plus. C'est le mode. Avec mot de passe, il me semble. La majuscule? Vas-y, je sais. Après, c'est vrai qu'une fois qu'il est enregistré, je le tape plus. Bien les bruits environnants. Bien les bruits environnants. Ah, c'est bon. C'est vrai que les lives sur Twitch sont pas plus sourds. Ça n'a rien à voir. Une plateforme fait. Y a pas à chier. Je sais pas si c'est la première. Écoute, c'est ton frère qui les a fait. Moi j'ai. Moi j'aurais fait l'inverse, parce qu'il a dû, c'est ce qu'il voulait marquer, mais à mon avis c'est. Après ça change ça. Rentrer dans la ferme. Oh, ça me chagrine, faut changer les noms, ça me chagrine. Pas je te vois pas sur le jeu. Si je vois ton pseudo, si c'est, attends, je te vois
Oh, attends, je vois ton point. Ouais, c'est bon, si je te vois, t'es. Ouais. Oh putain, il y a une tronçonneuse. Oh, faut pas me mettre ça dans les mains, les gars, moi. Arrête plus que ça. La lancer là ou pas? On lance ton stream. Ouais, c'est bon, c'est parti. Pas mal, c'est pas mal ce truc. Ah bah moi non plus, hein, je te rassure, hein, j'ai pas la fibre. Si je le laisse, c'est mort, ça me fait des erreurs. Sur OBS, du coup, j'ai le brouillon de connexion qui est un jaune, moi, si je. Regarde juste si ça marche et après je l'enlève la palle. Ah, on n'a pas tous la fibre. Ah, tu as gagné, Laurent. Bien. Vous avez la 5G déjà chez vous? Allez, tout le monde pète la 5G, tu ne vas jamais avoir la fibre. Ah, ça va peut-être. À nous le pire. Ah bon. Non, mais moi, le pire, c'est que c'est câblé. Tu vois, si tu veux, les gaines sont enterrées, la fibre est dedans. Et ça, ils ont fait ça il y a 6 mois. Et depuis, on n'a vu plus un chat. Et en fait, quand je regarde sur le site du département, ça nous met que c'est en cours de. Comment ils appellent ça? En cours d'études. Et mon père, c'est pareil, en fait, les mecs, ils sont passés, ils ont passé la gaine avec la fibre dedans, en fait, ils ont tout passé en même temps, et en fait, c'est prêt à raccorder, quoi. Ouais, ça m'inquiète pas, moi, ils avaient dit 2023, donc. Ouais, j'ai pas. Enfin, 2022, en fait, ils sont. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire, du coup, hein? Moi, je vous. Le 10. Vous avez un tracteur en roue fine? D'accord, ton foutouille. Pour éviter que ça écrase les cultures. Ça serait dommage de tout défoncer, quoi. Ouais, bah, je suis en train de chercher déjà le temps que je trouve le matos déjà. Dépendeur à engrais, c'est lequel? C'est celui à chaud ou c'est un autre? C'est le même. Ah d'accord, ah, si vous faites en liquide.
Ah, donc tu fais en liquide, donc après tu vides et tu mets de l'herbicide à la place. Dites mon équipe repos aussi. Carrément. Bah, c'était une réserve avec une citerne, tu viens à côté, tu fais R pour remplir normalement. Mais faut voir parce que je crois qu'il y en a, il faut les remplir avant. Je sais pas si tu as deux fonctions, les réserves. Il me semble qu'il faut les remplir avant, comme les réservoirs. En fait, tu vas à côté, tu auras une clé à molette, tu appuies sur R et tu commandes de l'eau. Mais je suis pas sûr. Bah ouais, parce que du coup, j'ai jamais essayé non plus. Oh, c'est bah, y a des seuls trucs que j'ai pas testé sur le jeu. Rien, moi j'ai pris le 10. Je crois que le 26 est. Je crois que le 26 est bon, il était fait. Ah non, parce que non, non, tu. Je vois. T'es... Ouais, ça t'enlève, doit être plombé. Non, non, t'es en train de le faire. Par contre, pour voir la différence, là, ouais. Ouais, c'est. Ouais, c'est un peu plus clair. L'île classe, j'aime bien. Bon, ça. Bien avancé. Ah ouais, normalement, on dit qu'il était là. Ah, ça commence dans le barbelé. Allez. Putain. Peu sans pile. Il y a une touche pour mettre le frein à main, mais je suis plus à quelques pod là. Oh, sweat. Merde.
contrôle droite. Putain, attends. Mon tracteur il avance tout seul, sale con. Ah mais putain, j'ai pas enlevé. J'ai... Ah, je peux pas mettre le frein à main. Super, même avec le frein à main, il avance tout seul le truc. J'adore ce jeu. Oh putain! Vous avez fait quoi dans le 3? Il y a des traces dans tous les sens. C'est normal qu'il n'ait pas tout semé le 3 justement. Il y a un gros carré où ça me met. D'accord. C'est une zone de dégagement. Ah putain, il me fait chier ce machin. Ah mince, ça marche. C'est vrai que maintenant en plus t'as les coupures de tronçons sur le jeu qui sont pas mal. Et tu peux réduire tes largeurs de outils. C'est vrai que ça c'est pas mal, du coup ça te fait gagner. Perso, je voyais pas trop la différence. C'est un peu plus clair par rapport à la texture du champ. C'est à peu près tout ce que je voyais comme différence. Ah, c'est vrai. C'est fini.
Vous avez été raclé jusqu'au bord-bord du champ. T'as rien du bord-bordé, ça. Ah, ça frotte le barbelé. Ah, ça frotte le barbelé. Ah. On va le ramener. Et recule. Ah, puis il est bien passé dedans. Oh, il est passé dans le poteau. Regarde bien. Regarde le travail. Regarde le travail. Ah putain, c'est chiant, c'était. Ils auraient pu faire qu'il n'y ait pas de collision, les trucs. Ah si, on voit la différence quand même. Hop. Oh bah non, je suis repassé dans le barbelé, putain. Faut que GPS le rouleau. Il y a des petits logos en dessous quoi, dans le magasin, tu vois, normalement c'est tout marqué. Ça doit être dans les animaux normalement. Je vais faire le petit bord, mais vas-y, passe. Bon. Pas juste. Légèrement frotter la rampe.
rampe de gauche. Avec la rampe de droite, là. Droite. Bien faire le bout. Ça, c'est pas mal. Là, on le remonte peut-être un peu de trop. Ouais, c'est vrai que ça aurait été pratique. Ah, il y a demi-rampe pour avoir les rampes. Ah, moi j'ai fini l'engrais aussi. Mais la couche d'herbicide tout de suite là. De toute façon, après elle va avancer le temps là après, non? Normalement ça le prend. Quand tu viens de passer l'engrais, non? Ah c'est, ils ont changé les enfoirés. À ce niveau-là, la cercleuse ça marche. Ouais, on est pas écolo. Alors. Ouais, c'est un jour, un mois, donc avant, ce sera au mois de septembre. Comment ça, je peux pas effectuer cette action ici? Décharger. Voilà, copain. Non, non, c'est bon. Oh putain, oh, oh. Ouais, il y a des outils qui sont un peu chiants, il y en a, ça braque. C'est pareil, le truc que je trouve con, c'est que, par exemple, si t'as des big bags, toi comme là, des cuves entamées d'herbicides, par exemple, tu peux pas les re-remplir. De recréer en fait à chaque fois sans cesse des trucs. C'est ça, du coup tu te retrouves, t'as 15 big bags, mais 15 big bags avec 100 litres des fois. Putain, c'est. Bon après, c'est que tu vois ce qu'il y a dedans. Mais... Bon, tout est à jour. Bah, allez. On va aller à la cabane. On a perdu le chien. Il est mort. Il est mort dans un trou, lui. L'herbe, c'est soit ah ça te le dit en... ah c'est pas mal ça te le dit mauvaise herbe petite, ça dit que tu peux le faire à la cercleuse. Ah ça je savais pas, on branle, fais gueule moi, détendre, allez détendre les mauvaises herbes, on va mettre la deuxième couche dans l'engrais derrière.
Beaucoup d'utilité d'avoir le GPS quand t'as le champ qu'à pousser comme ça, pour mettre l'engrais et tout. Sinon, tu peux te balader. Un pulvée ou un épandeur engrais liquide solide, après c'est deux font le enfin. Double. Alors 190. Et après, l'avantage, c'est que t'en laisses 5 et plein d'herbicides, l'autre tu laisses d'engrais, ça évite de... Et... Et par contre, il te faut la deuxième tracteur en roue fine. Je vais tout écrabouiller. Bah, c'est con, c'est qu'en pluvée, t'as pas bien de choix en fait. En portée, t'as qu'un modèle. C'est dommage. J'ai le Hardy, de toute façon il n'y en a qu'à emporter, le Hardy. Ça va devenir une nécessité, on va dire. Allez, calé.
Bienvenue à tout le monde, les amis. N'hésitez pas à liker, follow. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien qui est en haut, multi-stream. Comme ça, vous pourrez voir Chris en même temps. Là, vous aurez deux vues différentes. Oh, pas mal. Ça c'est fait. Lève un peu, non? Ça lève un peu, non? À l'avant. Mon petit Fred. Je vais le laisser devant les cuves d'herbicide, celui-là, Chris, comme ça. Je vais pour l'herbicide. Bon, on va se perdre. Tu peux pas. Non, il me semble que c'est à toi de les remplir d'eau manuellement avec une citerne. Connerie, mais il me semble que c'est ça. Hein. Sinon, t'aurais rien à faire, ça c'est... semble. Je suis bien pour l'écologie, moi je suis à côté de toi sans masque en train de foutre de l'engrais, pas inquiet. Je vais te dire ça tout. Comment dire? Bah, en
En fait, le chant, il c'est que sur les passages. Je sais pas, ça fait bizarre. On est dans le 10, on est bien d'accord. Hein. Attends. Ah non, c'est bon. C'est bon. Non, non, c'est bon. Chef. Oh, c'est le barbelé. En mode tout à l'heure, il est passé. Bah, le truc, il est passé entre l'arbre et le barbelé. Là. Ah bah là, j'étais bien dans la merde. Non, c'est bon, ça le passe en stade 2. Bah là, moi j'ai mis l'herbicide, la première couche d'engrais, et Chris est en train de mettre la deuxième couche d'engrais, et comme ça, celui-là il sera. Le 26, il est. Non, il est en lit. Bah, le tournesol. Ah oui, il faut le semer au printemps, le tournesol. Ah, là, quand t'as placé le poulailler, tu vois, ça est venu, c'est venu déformer le terrain, là. Ouais, c'est Non, mais... T'as vu la taille de ton truc? T'as vu comment, sur quoi ça déforme, sérieux? C'est pas abusé, ça? Le truc qui fait 3 mètres carrés, ça te déforme sur 20 mètres carrés. Et sur farming. Bon, on a perdu. Bah, j'ai joué beaucoup sur le 19, j'ai pas essayé sur le 22. Oh, il fait un joli son, dis donc. Oh, il fait un joli son. Oh, j'aime bien le JD qui a Chris. Oh, je les aime tous. Oh, ta merde verte là, par contre, celle-là, je suis pas sûr que tu me voyais dedans. Ouais. Tu peux le faire sans embrayer. Il y a certains tracteurs, tu peux le faire sans embrayer et d'autres où tu es obligé. Ouais. Ah, attends, j'y avais eu ça, c'était une touche, un truc qu'il fallait enlever. Ah, oh, putain, je sais pas. J'avais eu ce truc là. En fait, quand j'attelais, en fait, l'inverseur il marchait plus. Ah putain, j'ai eu l'autre jour. J'ai fait un truc et j'ai. J'avais désactivé un truc, moi. Je sais plus si c'était une fonction que j'ai désactivée ou une touche que j'ai enlevée. Je m'en souviens plus. Salut Babas, bienvenue à toi. Alors n'hésite pas si tu veux voir un multistream, voir ma chaîne, celle de Loustic et celle de Chris qui est en train de faire je sais pas quoi, toujours en train de mettre de l'engrais, ben en fait tu cliques sur le petit lien multistream et tu vas une fenêtre qui va apparaître avec les trois streams en même temps, avec un encart à droite avec un chat, où tu peux te chatter dans les trois chaînes et follow les trois chaînes si tu en as envie. Voilà. Ça va être sympa. Et ouais, je dis moi j'ai.
J'avais désactivé, attends. Ouais. C'est farming. De toute façon, ton adversaire, tu l'as mis sur quelle touche? La touche espace par défaut. Mais t'as mis une autre touche après au volant. D'accord. Ah mais on se tient. Voici le menu. On va l'avoir ici. Ah bah il reste carré. Ça fait bizarre les pierres sur les cartes, les petits points partout. Ça fait trop chelou. Bah, c'est bien qu'ils aient fait ça, mais ça, au début, putain, la première fois, ça m'a choqué. Je dis, ouah, c'est quoi ce délire avec la map? Problème. Bah tu les passes au rouleau. Rouleau, tu les rappuies. Non, ça l'a enlevé tout seul, parce que t'avais pas la même que nous. J'aurais dû me l'envoyer. J'aurais dû la remplacer sur le serveur. Eh, c'est pas grave. Et c'est pas la même parce que bah, juste le XML il change en fait 1000-4000, c'est là si tu veux, c'est la même de base, mais le XML il change, donc pour lui le serveur c'est pas le même mode, donc. Et c'est vrai que j'ai pas. Oh mais je vais changer. Tu la places pas, je vais changer celle du serveur. Je vais la modifier et puis je vais la mettre pareil. Mais c'est vrai que si. T'as pas eu un souci sur les noms de fermes aussi? On se demandait avec Chris parce que. Les a pas inversés? Du coup, quand tu cliques sur les animaux, ça fait céréalier là-bas. Il est où le chien? Moi j'ai perdu le chien. Et je l'avais tout à l'heure. Ah, il doit se promener loin quand même. Parce que putain. Ou tu peux être en admin si tu veux changer les noms de ferme en fait. Ah, c'est le 37 où t'as fait du bois là-bas. T'as planté des arbres. Ah ouais? Et ouh. Ouh. Ah putain, vas-y, on va acheter un quad là, mon gars. Ah, ce travail! Ah oui, là, c'est carrément un terrain de cross.
On n'est pas prêt de les mettre au. Pas un... Ah, il a changé la couleur de l'affaire. Quel est le plaisir? Ça va pas être très cher là. $23,000 là, rien que l'ensileuse. Et d'ébène? Mais t'as pas de benne normale. On loue une deuxième. 4000 p... Ah ouais, bon. Wow. Ben ouais, t'en as pour. Là, pour le coup, va falloir vraiment gagner de l'argent. Hein. Ah ouais, c'est au mois de décembre l'orge. Et le colza à partir du mois de novembre, c'est le plus décembre. Ouais, bon, ça va, tu vois. Allez, balance et assaut. Oui, t'en as en stock. Bah, à partir de décembre, le pain. Ouais, je remarque, ça vaut le coup parce que quand tu vois les prix. Le pain, c'est 4300 balles. Ah, il va être ranci, mon gars. C'est du pain pour les poules. Ah, moi non plus, celui-là, il va être moisi. Et le machin, ça fait un mois qu'il est stocké là, le bordel. Eh, hey, il bouge pas. Ça, c'est du pain de chez Leclerc et d'attaque, mon gars. Et de Auchan, tu vois. Il bouge pas. En fait, on l'a vendu, mais on le vend en biscotte. En fait, ils ont juste coupé, ça fait des biscottes. Ouais. Et là, votre maïs, il est comment? T'as vu que. Oui, bah oui, je vois. Il y a un champ. Une zone de dégagement dans le champ. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai dit putain, c'est normal qu'il y a un cabou. Chris fait ouais. Tant qu'il n'y a pas des patates avec. Allez, c'est chaud. Tu vas gagner un peu en rendement, quoi. D'abord. Là, tu vois, tu as un rendement 60%. Donc, tu rajoutes de l'engrais, tu vas gagner. Tu vas être à 80% à peu près, à part 100%. You. Coup de pompe à l'oignon, mon gars. Allez, bouge. Mais ce qui est bien, c'est qu'il traverse tout droit. Il s'inquiète pas, lui. Moi, je m'en fous, je passe. Je passe à travers, je m'en branle. Non, il passe pas. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'ai putain, j'y rentre sous terre. Ah, Fred est en train de le caresser. Hein. Il fait des pas à pouille. Il passe. Il y a une bagnole. Crac, plus de chien. Oh. Il a disparu. Avancer jusqu'à quand? Hop.
À savoir que le maïs, tu peux le récolter. T'es pas obligé d'attendre qu'il soit au jaune pour le récolter. Hein. Info. Non, le maïs, en fait, tu peux le récolter dans la période de croissance verte à la fin. En fait, la période, c'est pour le ramasser en grains. Ouais. Ouais, quand il est dans le vert foncé, tu peux l'ensiler. Tu peux l'ensiler. En grain, c'est qu'en jaune en fait. Là, le maïs va être tout jaune en fait. Tu peux le récolter quand il est vert, donc soit dans la zone verte, la dernière zone verte, comme il était en fait là. Chômé, il a déjà 5 heures, 6 heures déjà celui-là. Oh le chien, oh le chien. Ah non, on n'a rien loué. On a loué les bennes. On est juste parti avec les tracteurs, c'est tout. Reste pas là, Christian, il prend sous la gueule. Ah, bah s'il loue la barre de couple et de Ben, t'as vu où ça va finir. Mais essayer le passe, il est pas bien. La figuelle est sympa. C'est pas une Kaweco que t'avais là? En trois essieux? Moi je vais être chiant, mais moi je veux une Roland avec les. La Roland à trois essieux. Et là, il n'y a plus de sous. Comme tu veux, moins cher, hein, de toute façon. Économie, économie. Oh putain, oh putain. Il n'est pas passé la marche arrière. Elle est pas vilaine la Bergman. Hein. Avec quoi? Ah oui, il me prend là au max. Ouais. On va voir si le classe elle a dans le cul. Ah, elle coûte pas cher la loque. 3000 euros. Ah, elles sont belles celles-là, j'aime bien. Oh putain, moi aussi. Du coup, t'es parti dans lequel là? Le 5, le 3? Oh putain. Mais là, t'es parti dans lequel?
Et vous y videz au BGE? Vous y videz au biogaz? Des jobards. Les routes font la largeur du tracteur, roulent comme des mongols. Ouais, si tu veux pas le mailler, moi le lancier est jaune en fait, tu le lancier au quand il est vert dans les trucs et c'est bon. Le jus à papy et mamie. Ouais, j'y vais, Chris. Oh, ça va en tailler quelques-uns, désolé. Ouais. Pas qu'à fond. Ouais. Joli bruit d'ensileuse. Je sais pas si c'est l'ensileuse ou mon tracteur, mais un truc qui gueule. Pense pas que ce soit mon tracteur, il est à 600 tours, le bordel. Il y a du rendement, dis donc. Tu vas pouvoir t'amener Chris, hein, pour pouvoir faire le tour. Hein. Ah, tu vas rentrer, moi je vais me taper la marche arrière, moi ça me fait pas peur. Moi. Oh oui, il y a de la place, il a une barre de coupe assez large. Ouais, qu'on arrive à faire toute la longueur comme ça, mais. Ouais, je suis plein. Arrête. Non mais 97, mais ça remplit pas plus.
Un trou jusqu'en haut, Fred, là. Allô? Vous allez faire un trou jusqu'en haut, là? Vous êtes tout droit? Ouais, où il a plus de micro. Il y a 10 normalement, Chris. Ouais. Ah, c'est Fred, c'est pas grave. Pourquoi t'as tout replié, Fred? Si ça y est, il a la marre, il se casse. Bonjour, mon petit Mike. Oh, il a la pleine cul, classe, mon gars. Ah, oh, putain, ça tourne pas. Ah, Chris, Christian m'a dit qu'il pouvait pas ce soir. Je vais même prendre une barrière, une connerie comme ça. Ça fait une petite 30 000 de rien jusqu'au BGE. Ouais. Ok, bon. J'ai mis celui qui était à gauche, Chris. Oh, le bruit d'ébène, c'est terrible quand même. Faut une petite benne de plus, 3 bennes ça irait bien, une pas trop grosse en plus.
Ah, déjà 2. Oh, mais la sortie, elle est raide, hein. Ah, j'ai fait, je m'y prends 2 fois pour sortir. Et puis moi je le vois, je suis en face de toi. pour info, non mais pour info, le poteau EDF, poteau de téléphone, il n'y a pas de collision. Hein. Tu peux lui rentrer dedans, c'est pas gênant. C'est normal, c'est un Fen, c'est un Playmobil. Ouais, c'est pour moi. Cri-cri, bordel, il est où? Il est clus pour acheter des merdes pareilles. Ah non, 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 j'ai pas mis de Fen, moi, au départ. Je donne pas. Ah non, non, non. Non, au début, il y a Valtra, Massé et le JD, normalement. Et le Steyr. Oh putain, il braque pas non plus. Faut pouvoir faire demi-tour dans le champ, bordel. Ah, c'est bon. Oh, je suis coincé dans l'arbre. Oh, mais c'est pas vrai, c'est quoi? Ah là, t'as 2 chauffeurs, mon gars, Fred, je crois que t'as arrangé que ça. Après de guenillé, quoi. J'essaie de pas écraser les maïs, mais c'est mort. Shit. Je crois qu'à fond. Ah, il braque rien, les tracteurs. En fait, c'est l'ancileuse qui chante. Ah, le boucan qu'elle fait. N'hésitez pas, les amis, à cliquer sur le petit lien multistream. Il vous permet de voir les streams des autres joueurs. Vous allez follow leur chaîne en même temps. Moi, mon tracteur, il est au ralenti. Mais le régulateur à 10, il est au ralenti, le bordel. Bah là, ça flash. Hey, du rendement, hein, bordel.
Vas-y, Chris, je suis plein de toute façon. Je pense qu'à deux, en roulant comme des débiles, on se croise pas sur la route. Il y en a qui finit dans le barbelé avant la fin. Ok, bon, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live, les amis. Voir une autre vue du de l'ensilage, cliquez sur le multi-stream, les gars. Vous aurez les trois streams en même temps. Alors, j'ai le son, mais pas l'image. Et t'entends, t'es pas dedans. Pour la goulotte. Ouais. Toujours quelques petits couacs. Ah, j'ai mangé la ligne, j'ai tout fait. Faut pas traîner. Hein. Si le s'arrête, le prix de la location. Non, pas vraiment. Le plus vite on a fini, mieux c'est. Ouais, une benne, même pour. Ça va qu'on a des bennes à 50 000. Ça va, le tracteur, il peine pas trop. Il peine à se lancer, mais une fois qu'il est lancé, ça va. Là, c'est pas du changement de benne, ça, mon gars.
Bah, si je fais le stop, c'est mort. Ah, ça y est, il a pris le coup pour sortir du champ. Une accélération lanceuse, mon gars. Oh, ça me met une boîte. Ouais, t'as pas mis le max de chevaux. On a déjà emmené 150, 200 000 déjà. Après, à tasser, ça va mieux que dans le 19. Ça va bien maintenant. Ouais, tu me fous un Manitou à godet, mon gars, je peux tasser ça pendant des heures. Je m'éclate avec ça. Ah ouais, je fais avec le Manitou et le godet. Ça va trop bien. Ah ouais, ça va pas mal, on a essayé hier, ça marche bien. Ça va pas mal aussi. Bon bah ça leur a arrêté au bout d'une collision hein. Ça aurait fait boum, arrêt net. Ça tape. Les micro-freeze. Ouais. Et l'autre jour, on les avait l'autre jour qu'on a fait l'ensilage avec les gars aussi. Ouais, ça fait des micro-freeze, ça fait des... plein. Bon, on roule à droite, Chris. Donc tu te sers à droite, tu te sers pas à gauche. Et on va jamais se croiser. C'était pas avec toi une fois déjà qu'on avait fait ça pour sauter, on avait tourné les deux du même côté. On avait fait du coup un gros frontal. Boum. Putain, ouais, ça aurait pu faire se croiser vers le magasin. Oh, puis il y a les virages. Allez hop, moi j'ai pris le poteau, moi. Oh, ah, mais c'est qu'il est large ton tracteur par rapport au mien. Pour toute la route. Oh, ce serait croisé là dans les du magasin. Là, c'est un peu plus large. T'as la bande d'herbe qui est un peu plus large. Mais là, c'est vrai que là dans le S. Hey, elle est longue la remorque. Oh, allez. Arrête buffet, putain. Hey, par contre, c'est bien fait parce que... Toi, tu as du poids sur le tracteur. Toi, là, j'ai freiné, mais ça freine. Faut freiner beaucoup plus tôt, en fait.
Bel arbre. Ah, on commence à faire une belle petite montagne là. Je coupe dessus avec la remorque. Ok. Ouais, ça va encore, hein, ça dépote, on a pas commencé, on a commencé il y a pas longtemps. Hein. Bah, le deuxième est plus petit. C'est vraiment le pro. Hein. Il est balèze celui-là. Le temps de rouler une clope. Oh, on fait la moitié déjà. Démarrage qui a été dur. Les fans que vous avez, c'est quoi? C'est un 900? Non, c'est un 900.
Ouais, j'ai vu ton deux, ça a balancé deux coups comme ça dans les. T'as giclé dans le champ. On va laisser sortir le copain. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah une collision dans le poteau. Ah t'es. Non, t'es dans l'arbre. Le petit arbre, il y a un petit arbre. Il y a un petit arbre. Ouais. Je sais pas. J'en ai une, j'arrive. Je sais que cela, on a essayé avec Fred l'autre fois sur la carte d'origine, ils aiment pas qu'on les coupe. Ah bah le serveur, ça nous l'avait foutu en PLS. Ah ouais putain, c'est juste un truc de ouf. Ah faut couper les sapins, les autres arbres, ils aiment pas. Si je comprends pas, c'est que c'est un truc qui est quand même depuis deux opus le bois, et ils ont encore pas réussi à y mettre au point. Putain, j'ai pris la marche arrière, bon. Oh, putain, je jette loin, ouais, dirait que tu patinais quand t'as mis la marche arrière. La barre de coupe s'est piquée dans l'arbre. Écoute, là je suis à 55%. On va voir. Oh, il y a une entrée de secours au pire, là j'ai vu derrière. Je pourrais reculer jusque là. Ouais, si je pense. Ouais, putain, à mon avis, il va pas rester grand chose. Ah, si on finit pas, il va pas rester grand chose. Oh, Chris attaque leur tour, là c'est bon. Bah faut descendre au pied de la machine puis regarder dans le champ quoi. Bon à mon avis tu dois pas être loin des 100% parce que là ça envoie quand même. Vas-y attends, je vais regarder. C'est pas bien mal. Ah si, ça va le faire. Je crois que je vais arriver pile au bout. Donc, cette partie-là doit être un peu moins grande, je pense. Non. Vas-y Chris, prends le relais, je vais éviter. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on avait dans le mode précision, ça c'était pas mal aussi. Ouais, ça le mode précision, ça devrait arriver au printemps normalement.
Alors bon, il y a le nouveau DLC qui devrait arriver aussi. Le chien, pas le temps de pisser après les roues du tracteur, mon gars. Les potes. Quand j'arrive dans une côte, ça le calme le pépère quand même. Il a 42 tonnes. Elle est pas pleine. Oh, bien, ouais, Cyril. Alors là, j'ai fait un truc. J'ai fait poteau droit, entrée BGA, poteau gauche. Ping, ping. J'ai rebondi sur la deuxième. Ouais, il commence à avoir une belle petite montagne là dans le silo. On a déjà 315 000 dans le silo. Au peur. Ah, l'avant, je sais pas, c'est, t'as les essieux suiveurs toi sur ta benne, Chris? Moi, c'est vrai que j'ai le dernier essieu et les suiveurs, donc du coup, ça sera pas mal pour les. Ah, j'ai pas entendu non plus. Non, 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 non. Attends. Allez, plus petite cette partie-là. Ouais, c'est ouais. Plus court. Hein. Ah, mon ensemble fait 41 tonnes. Bordel. Je crois que le tracteur seul, il est à 16 tonnes. Moi. Ah, moi, il fait 13. J'ai 16 tonnes 2, puis après j'ai le total à côté. Ouais, bah c'est ça, ouais.
C'est le poids de ton tracteur. Ah ouais, moi, la l'ensileuse est moins lourde, moi. C'est normal, c'est du moteur FPT sur celui-là. Là, je suis à moitié bench, je suis à 35 tonnes déjà. Ah ouais. Oh bordel. Il va passer par-dessus le mur là-bas dans le BGA. Ouais, je peux pas mettre les multistreams, moi, sinon ça va après, c'est mort. PS, il aime pas. Mako est en PLS après. Ouais. Et je me doute, parce que j'ai fait presque la même tout à l'heure quand j'ai reculé. Ouais, j'ai vu. Je vois tout là maintenant. C'est bien là. Ah, c'est pas mal ce truc, hein. Ah, c'est bien foutu. Ah, c'est... Tu te rends compte, là, le truc pour Twitch, là, si tu veux pouvoir le faire sur Twitch, là? Ah, ouais. Putain, faut être partenaire Twitch, mon gars, avant d'y arriver. Passer sa vie sur Twitch, en fait. Faut faire des lives, toute la journée, tout le temps. Bah, oui. Pour faire son métier. Faut que ça va foutre. Bon. Oh, moi non plus. Ça reste un plaisir. Ou les payer gracieusement, peut-être aussi. Ouais. Moyen en finance, ça. Ouais. Bon, en fin de compte, là, c'est... en gros, si t'as pas envie de faire de live, t'es quand même obligé d'en faire un, quoi, tu vois. Ah. Là, si t'as pas envie de faire de live, tu fais pas de live. Je vais être plein. Ouais, c'est bon. 42 tonnes 800. Plein, moi. Ah ouais. Là, on va encore se croiser dans le S. Ouais. Ah, c'est bon. Ah, j'ai serré, mais j'ai le barbelé, moi. Ouh, putain. Un beau gars, une moustache passée pas entre nous deux. Mais... Oh... J'ai tourné trop tôt. Oh, putain. Oh, quel bordel. Par contre, ouais, moi, si je veux tourner, il faut que je freine bien avant. Ah, oh, putain. Allez, un arbre. Si je freine pas, il faut... Ça pousse. Une question, on fait de l'ensilage, mais le BGA, et le BGA il nous appartient ou ouais. Ouais. C'est une bonne question. Bah, écoute, je sais pas trop en fait, ouais.
Dans le travail. Vous pouvez voir dans l'onglet fabrique, là ou pas. Alors si c'est dans l'onglet fabrique, non, alors c'est qu'on l'a pas. On l'a pas. En fait, j'ai acheté le terrain, mais j'ai pas le bâtiment, je crois. Ah non, c'est le bâtiment, il s'achète à part. Ouais. Oh. Donc voilà. Bah si on peut l'avoir pour 50 000 euros, on peut leur faire une autre. Je crois que c'est mort. Quoi que tu peux doubler. Faut faire de l'emprunt. Comment faire banqueroute en 2 heures de jeu. Mais non. Ouais, il est à 110 000, je crois, le BG. Wow. Ouais, si j'avais un doute, mais... C'est le moment, ouais, dans l'onglet fabrique, si tu là, tu veux. Mmh. Bon, ben... Bon, oh, ben, on l'a pas, quoi. Je vais pas aller dedans, mais je crois savoir. Sinon, on a une belle prairie à côté, parcelle numéro 20... je sais plus combien, 9, 27. Ouais. Pour se consoler. Ah, tu vois, ouais, à vide, je suis déjà 27 tonnes, la benne et le tracteur. Ah. En gros, je fous 20 tonnes de maïs dans le bordel, la benne. Ouais, le point positif, c'est qu'on aura fait de l'ensilage. Ouais, oui. Ouais. Du moins qu'ils nous prêtent les silos gracieusement. Bah si le terrain t'appartient, c'est bon en fait. Les silos, du moment que les terrains t'appartiennent, en fait, tu peux les... Ouais. Je crois que c'est déjà ça. Je crois que je les avais titrés ferme une quand je les ai placés. Ouais, c'est ça, ouais. Bah si, on l'a, BGA, usine biogaz. Si, on l'a, Fred. Ah bon ? Dans les chaînes de production, usine biogaz 99 kW. Ah si, c'est bon. Ah, bah alors. Bah, tu vois. Ah bah nickel. T'as la boulangerie et le moulin à grains, si c'est bon. Ah bah. Ouf. Sauvé. C'est bon, on peut aller en ciler le 3 derrière. Ah, c'est surtout qu'il va avoir besoin de rentrer de l'argent, donc ça serait bien qu'on puisse faire tourner le BGO. Ah bon, après je vais un peu vous laisser parce que... Faut se lever. À 4 heures, ça va piquer. Une prochaine, 3h30. Et hop là. Ça va faire mal, pas. Ou putain. Vas-y. Je crois que ça rentre tout là. Non. Merde, ah bah. Allez, y'a moyen. Ah, maintenant, je vais pouvoir tout prendre aussi, moi. Ah, ça va être chaud. Non, ça va être chaud. Ça rentre pas tout dedans. Ah, les boules. Hein. Allez, c'est mon dernier voyage, moi. Après, l'autre, au pire, tu peux le ramasser en maïs grain. Hein. Ouais, bah, je pense que c'est ce qu'on fera, hein, parce que là on en est quand même pas mal. Hein. Bah là, je suis. Oh, comme ça on va pouvoir rendre le matos. Déjà, le temps de tasser le tas, ça va nous occuper un moment. Donc, t'as un godet sur le Magneto ou pas? Non. Le voyage pour 1500 litres. 1591 litres. Ah, ça vaut le coup, hein. Paye le carburant. L'avantage, c'est que les deux bennes seront en occasion et l'ancien aussi maintenant. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ouais. Mais c'est que vu ce qu'on a sur le compte, on n'est pas prêt de les acheter. Mmh. Ah, merde, j'ai un problème technique. Ah, ça a pas braqué.
Ah, mais ouais. Oh, j'ai dû taper 2-3 fois, moi, l'arme. Oh, putain. Ah, ça repasse pas. Bah, ça repasse pas, ouais. Ah, t'as le nez qui est planté dedans. Oh, la blague. Ah, comment ça lève la bande tournante. Ah, bah, vas-y, le classe. Allez, prends. Allez. Ah, oh, je suis coincé, en fait. C'est vrai qu'il braque rien du tout, le Fen. Ah, c'est la merde, hein, vraiment. C'est dommage, il y avait un joli champ de maïs, là, juste à côté, en fait. Ouais, mais ils sont pas assez loin, c'est pas marrant. Fonctionne la bascule, là? Ouais. J'ai même pas essayé. Normalement. Bon, c'est bascule du origine du jeu. Ouais. Merde. Barbare. Oh merde, je peux pas monter plus. Là, tu peux rendre l'armor, Fred, si tu veux. Allez. En stylose, hop. Roule, de... touche même plus le sol. T'as pas de godet pour le traiteur non plus. Non, y a pas de, ouais, y a pas de godet. Prends-moi un petit godet pour le Manitou, s'il te plaît. Limite, même le ouais. Classe, comme ça, on pourrait y faire à deux. Tu peux rendre ma remorque. Ah, il est pas mal, le Manitou, je l'ai jamais essayé, celui-là. C'est le plus petit, ça. Non, c'est pas le plus petit, celui-là. C'est pas le plus petit. C'est le moyen. Non. C'est un moyen. Mais il est bien, j'aime bien. J'ai mis le pickbot du. Il y avait sur le Manitou vers les bottes. Ah, il est sympa, ouais. Alors, t'es avec quoi du coup avec le. Ouais, avec le Manitou. Avec le Manitou, ouais. Alors. Tiens. Tac. Oh, chaud. Comme un calu, là. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais essayé. Moi j'ai beaucoup joué avec le JCB, j'ai même pas essayé le classe aussi. Wow! Je t'ai vu arriver comme un fou furieux. Il va bah, passer toute boule, client. Mais non. Allez, on va aller laver le tracteur. Hop là. Limite, tu vois, le Manitou, l'intérieur, est mieux fini que le JCB. Oh putain, il y a des godets qui tombent. Ah, il pleut du godet, là, normalement. Yeah. Oh, il est vraiment sympa, ce Manitou. Ouais, on a pas mis trop de temps quand même pour faire le champ, mine de rien. Ouais, ça va. Et ben voilà. On a des œufs là. Et ça rapporte les œufs en plus. On en a là. Allez, fais comme le pain, laisse-les mariner 6 mois pour voir ce que ça fait. Voir s'ils s'envolent tout seuls, les trucs. Ils vont exploser là. Quand tu vois déjà qu'ils font que 2 kilos, déjà, tu vois qu'ils font 2 kilos l'œuf. Déjà, ouais. Je dis déjà. C'est des autruches. Comment on va monter sur la montagne? Comment on va monter sur la montagne qu'on a fait maintenant? Allez, les amis Twitch, je vous laisse là. Passez une bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao! Et ben voilà. Allez, je quitte la partie, les gars.
Bonne soirée, bonne nuit. Bonne soirée à vous. Puis bah, peut-être à demain. Ouais. Bah, moi je passerai demain, mais si vous pouvez vous connecter avant, moi je viendrai vers 9h15, pardon. Et à 9h, on est rentré. Ça marche. J'aurai mon jour de connecté. Je vais voir. Je verrai. Demain. Ok. Moi, demain après-midi, je vais rouler un peu sur OTS. Parce que j'ai vu qu'il y en a qui ont. Il y en a qui ont roulé, j'ai vu, et du coup, je suis pas premier, là, ça va pas. Donc voilà. Allez, passez une bonne soirée, à bientôt. À plus, Chris. Ciao. Ciao. Salut, Chris. Bonne nuit, Babas. Ah, on a 520 000 quand même dans le silo. Hein. Bon, ça. Mais non, Fred. Il allait remonter le Manitou. Ah ouais, tu fais d'accord. Ouais. Bah, je vais rouler dedans, moi. Bah, c'est si j'étais obligé d'y grouler un peu, parce que sinon ça montait pas. Putain. Un peu le tout bazar. Aïe. Ouais, je monte avec le Manitou, ah ouais. Il déconne pas. Hein. Ouais, j'ai tout, les 4 roues motrices, j'ai tout sur le Manitou. Rien. T'as pas les 4 roues, là. Ouais, quand tu actives, ça va mieux. Ah bah, carrément. Oh, on dirait que ça lisse un peu quand tu recules comme ça. Pas mal. Ouais. Là, on est déjà à 35%. Oula! Il y a un trou là. Oh, je suis monté sur le mur. Oh, c'est très ça. Oh, tu vas t'envoler, toi, de finir de l'autre côté. Bien. Sur la route.
Il m'a dit que je pouvais pas effectuer cette action ici. C'est ce que ça veut dire? Ah, c'est que t'as vidé en dehors du silo, non? Ah ouais. Je trouve que c'est moins la galère à tasser qu'avant quand même. On est déjà à 60%. Là. Le Manitou, il y va hein, aussi. Ah oui. Tranquille. Hein. Les premiers. Avant que t'arrives, les premiers coups que j'ai essayé de monter, il est un peu peiné quand même. Il fallait que j'en pousse un peu au godet. Ah, mais il y avait une montagne. Ouais. Ah, c'est quand même bien foutu. Hein. Ah, ils ont vachement amélioré le truc. Hein, parce que sur le 19, j'ai failli passer du côté. Oula, ouais. Sur le 19, c'était pas ça. Hein. Le 17 non plus. Et sur le 15, ça allait pas mal. Sur le 15, c'était en fait, t'avais des planes toutes faites. Après, t'avais juste à rouler dessus pour tasser, quoi. Mmh. Là, ils ont, pour le coup, là, ils ont bien bossé. Ça te fait vraiment les traces. Ça te fait vraiment comme si t'étais vraiment dedans et tout. Ouais. Bon, ce qui est dommage, c'est que tu vois, dans la neige, quand t'as de la neige, ça te fait pas les mêmes traces. Ah bah, ouais, par contre, ça, ouais, là... La neige, ça te fait une plane bien plate. Au pire, qu'il y ait pas les traces de piétons, je m'en fous, mais au moins les traces de tracteur, quoi. Que tu roules dedans, tu vois les traces, quoi. Ah, mais parce que ouais, ça fait pas terrible, ouais. Là, ce qui est dommage, c'est que t'as les roues du tracteur, du Manitou, elles sont enfoncées aux trois à moitié, quoi. C'est le châssis qui frotte, moi. Oh, pas dû passer loin là. Pourquoi je suis en vue intérieure? Ah bah je peux dire que les pneus ils ont dû frotter quand même. 99. Il nous reste 1%. Eh bon, je suis dessus. Eh bon. On fait le godet du Manitou, on le laisse là ou je le ramène à la ferme? Bah tu peux le laisser là, hein, parce que de toute façon... Ça va être là qu'on va s'en servir le plus. Aussi pour le biogaz, ouais. Puis je vais garder celui-là pour la ferme. Ouh ah on va chercher le... Oui, simple, je vais chercher de place après. Allez. Oh le klaxon de merde. Si je vais y aller, parce que sinon demain ça va être pareil. Ouais, bah, je vais ranger l'autre là. Puis je... À demain, au boulot. Hein. Ça baillait.
Wow, une petite poussée. Ah, oh, je t'ai vu dans le rétro partir en couille. T'as essayé de me pousser, du coup, c'est toi qui es parti en cacahuète. Essaye de te lever avec les menées. J'ai senti que le Manitou grôlait à droite à gauche, puis ce coup, je t'ai vu. Hey, tu roules à combien avec ton machin? Ah oui, 50. Oh, je suis à 43, je suis à fond. Ouais, il va bien, franchement, je l'aime bien le. J'ai pas essayé, je l'ai essayé. Moi, j'aime bien les classes. Oh, Médor est revenu, tiens. C'est bon. Wow. Putain. Hey, heureusement qu'il n'y a pas le mode assurance comme on avait sur le 15, là. Ouais, ouais. Putain, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est. Putain, j'arrive pas à le lever, quoi. Trop lourd. T'as un rock, le Manitou. Ah ouais. Tu sais que c'est vachement lourd, un Manitou, mine de rien. Ah ouais, ouais, bah c'est ça, hein. Attends, il fait combien, moi, le tracteur? Il fait 9 tonnes. 9 tonnes? Attends, je vais te dire le Manitou, je vais me mettre dedans. Ah bah non, bah je suis à 8 tonnes 4, là. Ah bah, déjà, 8 tonnes 4, le Manitou. Ah ouais. Vu la taille du truc, ouais. Et le pick-bot dessus. Je suis con, j'aurais dû en profiter, là. Il y avait du... Je sais pas quoi, là, des copeaux, là. Je sais pas où je peux y foutre où, ça, hein. Je sais même pas où on peut les vendre. Je crois que c'est au supermarché. Mais je crois que je vais les foutre là en dessous, dans le terrain en bas. Déchetterie naturelle. Ah, rien. C'est trop vite. Non, ah, ah, regarde le tracteur. Il est en train de se lever. Oh putain. Ah là, il faut pas plus. Ah là, il faut vraiment pas plus, ça. Allez, je vais chercher l'autre. Ouais, c'est bien, ça. Ça fait déco, là, dans les pierres, c'est bien. Là, par contre, un truc qu'ils ont bien fait, c'est que tu vois, si tu veux bouger tes godets, ton hydraulique, si ton tracteur est pas en route, tu peux pas. Ouais. Ah, carrément. Tu peux bouger, t'avais pas le moteur. C'est ça. Vous videz la moissonneuse avec le moteur qui était pas en route, c'était logique. Pour connaître. Vous avez une cuve à carburant, la ferme, là ? Le classe, il est assez. Ouais, celle d'origine, là, celle qui est à l'entrée, là. Vers l'atelier. Ouais, faire le plein. Par couvert le silo. Non, non. De toute façon, le serveur il se met en pause, hein, quand il n'y a personne. Ça permet d'avancer, ouais. Le temps que quand. Ok. J'avais pas vu le classe, t'as vu le régulateur, tu le vois affiché sur la petite tablette à côté? Le petit curseur qui se déplace? Ouais. J'avais pas fait gaffe. Ouais, bien foutu aussi, hein. Ouais, non, franchement, ça va. Voilà.
Allez, petit gens du live, je vous dis bonne soirée à tous et on se retrouve peut-être demain soir sur un nouveau live sur Farming. Allez, bonne soirée à tous. Ciao tout le monde.